Ce qu'il a. Merci Seigneur. Cette chute qui est sous le camp a une hauteur de 80 mètres. Ce cours d'eau qui passe arrive à Yabassi et puis se jette dans le bourri. Les chutes que vous voyez derrière moi, il y a la chute mâle et la femelle. En saison de pluie, les deux chutes font le même mouvement. En saison sèche, comme dans bientôt, la femelle rejoint le mâle. Ce site est un site touristique, c'est vrai, mais pour nous aussi, c'est un lieu de tradition. Parce qu'il nous arrive le plus souvent, en fin d'année, de venir ici faire des rites pour solliciter la bienveillance de ça de nos ancêtres. Comme cela se fait en fin d'année, eh bien, pendant toute l'année, ça nous évite les calamités, ça nous permet d'avoir des naissances, ça permet que nous ayons des récoltes en abondance.